Jomai Moi Sonko. La bonne nouvelle, Jomai et son ami Sonko, la fidélité, la complicité. C'est rare, ce sont des sources rares en Afrique. L'émission commence. Je voudrais, en début de cette émission, saluer un homme très important, M. Célestin Brou, qui est à Abidjan. C'est un homme très intelligent et il est beaucoup apprécié. Je voudrais saluer M. Célestin Brou. C'est un des collaborateurs du ministre KKB, et Célestin Brou est un homme très intègre. Cette chanson qui marque le réveil de l'Afrique, parce qu'on a envie de rêver. Avant de parler de certaines choses, je vais encore parler de Ousmane Sonko et son ami Jomai, parce que j'ai été adopté par mes parents sénégalais qui appellent pas des dizaines d'appels. Je ne peux même pas respirer, des dizaines d'appels. Or, je suis en congé, en vacances annuelles. Je dois penser à comment m'organiser pour aller visiter les 4 pays que j'ai choisis. Mais les Sénégalais appellent. Ils appellent. Notre fils, Aladji Baba Tondé, vraiment tes vidéos. Il n'y a pas vidéo comme ça. Nous, quand on écoute ça, là, on est content. Tu parles de Sonko et Jomai Faye. Ça, là, vraiment, on aime beaucoup. Quand on t'écoute, même on est content. Pardon. Quand tu parles pas beaucoup de « et puis tu laisses. C'est vrai, il faut parler encore. Nous sommes tes parents. On veut écouter encore. Parce que depuis là, on est content. Même quand on mange pas tchep, on est content. Il n'y a pas tchep, mais on est rassasié déjà. Nous sommes déjà contents à Aladji Baba Tondé. Donc, je vais parler encore de Sonko. Vous voyez, ceux qui sont allés au Bénin avec ma photo là, dites-leur de ne pas perdre le temps. De ne pas perdre leur temps. Parce qu'on veut avancer. Ceux qui vont à ma photo avec au Bénin, là, c'est là-bas que je dors. Tu ne peux pas montrer à quelqu'un les chambres de sa maison. C'est là-bas que je dors. Et on est obligé de leur dire, tu as l'argent pour acheter de la nourriture, tes enfants vont manger. On va écouter un peu la musique, parce qu'on va parler de Sonko et on va parler de la Côte d'Ivoire. On va parler encore du président Tidiane Thiam. On va parler du président Laurent Gbagbo. On va parler de la réconciliation, la grande réconciliation entre le président Alassane Ouattara, qui a pardonné à son fils Sorou Guillaume. Et donc, hommage au duo Ousmane Sonko. Les Sénégalais ont demandé que j'en parle encore, mais je vais profiter pour répondre aux idiots français qui pensent que leurs journaux sont au-dessus du monde. Des escrocs qui font leur économie en pillant les autres pays. L'Allemagne n'a pas de colonie, mais l'Allemagne est première économie européenne. La Russie n'a pas de colonie. La Russie est un pays puissant. C'est ce que cet esprit-là qu'on demande aux Français. Mais justement, c'est parce que nous avons été colonisés par les Français que nous sommes toujours en retard. Regardez les pays issus de la colonisation française. C'est la honte. Sonko, qui fait rêver. Jomai Faye, qui fait rêver. J'ai toutes les vidéos, quand les gens venaient prendre Jomai Faye, comme n'importe qui, oh non, mais c'est méchant. Par la police secrète du tyran, du despote Macky Sall, qui a pris le monsieur, on l'a foutu dans la voiture comme ça, comme un vaurien. Parce qu'il a réclamé la démocratie. Ils ont cassé la vitre de la voiture de Sonko. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont sur le toit du monde. Sonko
L'Afrique avance. L'Afrique avance. C'est un processus. Dans l'air où nous sommes, tu ne peux pas arrêter ça. Le processus est lancé. La jeunesse africaine, on ne peut pas leur dire autre chose. Ils sont en train d'avancer. Et ils ne regardent plus en arrière. Et surtout l'âge de Sonko et son ami là, 44 ans, 46 ans, tu ne peux pas convaincre les Africains. Nous avançons. On n'aime plus les campagnes électorales de 5000 francs, 5000 francs, les bois de sardines. C'est fini ça. Enfin, c'est tellement doux à écouter ce qu'il dit là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis en congé, donc je parle quand je veux. Vous voyez les journaux français? Dites aux journaux français manipulés par les politiciens français d'avoir honte. Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, était sénégalais de pur sang. Léopold Sédar Senghor était sénégalais de pur sang et il a marié Ginette Eboué. Il a épousé Ginette Eboué, ils ont eu des enfants. Quand il s'est intéressé à la politique, ce sont les mêmes Français qui lui ont dit: il faut abandonner ta sœur noire. Tu prends une blanche, une Française, on va te conduire au pouvoir. Et ils ont écarté Mamadou Dia, qui pouvait prendre la chose. Ils ont écarté Mamadou Dia, et puis ils ont fait la promotion de Senghor, parce qu'il est leur beau, il était marié à leur fille. Après, les mêmes Français ont divisé les deux. Mais je vois leurs journaux, leurs torchons, parce que ce n'est pas des journaux, je ne vais pas leur faire la publicité. Cette affaire de Mamadou Dia Senghor qu'on a oublié vient d'écrire qu'ils espèrent que Sonko et son ami Diomaye Faye, ça ne soit pas la même chose comme Senghor et Mamadou Dia. Je leur réponds que nos parents étaient dans l'illettrisme total. L'Afrique était dans les ténèbres. On ne comprenait rien. Il n'y avait pas de société civile, il n'y avait pas d'influence sur les dirigeants. Ce qui est arrivé, la séparation entre le président Senghor, ancien président du Sénégal, et Mamadou Dia, cela n'arrivera plus au Sénégal. Et Diomaye Faye sait qu'il doit le pouvoir à la volonté de Sonko, qu'il a présenté à la population. La population l'a élu et les jeunes Sénégalais ne sont plus les jeunes Sénégalais de 1960 en 2000. Si les deux décodes vont les balayer, ils vont prendre des jeunes de 25 ans. Parce que les gens vont te dire, c'est parce que vous avez 44 et 46 que vous ne réfléchissez pas. Alors on vient un peu plus en bas. Les jeunes doivent rêver. Vous les Français là, les jeunes doivent rêver parce que les Africains ont droit à la vie. Ils ont droit à bien manger. Ils ont droit à bien vivre. Vous dites que l'Afrique, dans vos journaux, l'Afrique ne vous profite pas. Vous êtes fâché parce que le Burkina veut se diriger. Vous êtes fâché parce que le Niger veut se diriger. Vous êtes fâché parce que les Sénégalais ont lu des gens qui ne sont pas empiffrés dans votre corruption. Vous êtes fâché parce qu'au Mali, les gens sont en train d'échanger. Oh, il faut vous taire un peu. On veut rêver. Regardez le gouvernement mis en place par ces jeunes-là. On aurait dit même qu'ils n'ont aucune expérience politique, mais on a l'impression qu'ils sont à la tête de l'État plus que leur âge. Le gouvernement, lu par Sonko, il n'y a pas un meilleur gouvernement dans ces 10 dernières années en Afrique qu'un tel gouvernement. Ce n'est pas leurs parents qui sont dans le gouvernement, ce n'est pas des gens issus de la même situation géographique qu'eux. Tous les Sénégalais sont représentés et des grands intellectuels sont représentés et même des anciens hommes de Macky Sall. Le ministre de l'Intérieur, il travaille à Macky Sall.
Le ministre de la Défense, il travaille avec Macky Sall, tous ceux-là. C'est-à-dire, ceux qui ont des compétences, ce sont eux que ces jeunes ont appelés. Mais ça, là, les journaux français ne voient pas ça. Ils veulent les diviser. Ils ont commencé à dire, les deux, chacun a deux femmes. Mais deux femmes, ça ne nous gêne pas. Chaque peuple choisit, en fonction de sa culture, vous chez vous, garçon va dans l'anus de son ami garçon ou caca sort là. La saleté sort. On ne vous le reproche pas. Nous aussi, on prend deux femmes. Aucun Sénégalais, aucun Africain ne va dire, ils ont pris vos deux femmes, ce n'est pas bien. Quand vous voyez une fille en parler, regardez sa vie, c'est une lesbienne. Quand vous voyez une fille en parler, c'est une lesbienne ou mal éduquée par ses parents. Mais nous, on est fiers. Ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'ils vont faire à la tête de l'État? Je voudrais saluer mon ami Célestin Brou, qui est à Abidjan. C'est un homme très important. Et je voudrais saluer M. Aïbo Florent. C'est un Ivoirien tout puissant, il est au Canada. Je voudrais saluer M. Aïbo Florent, qui a de grandes idées, qui propose la Côte d'Ivoire, comment elle doit avancer. Vraiment, quand on l'écoute, on est content. Vous voyez, les gens ont peur. Les gens de Macky ont peur. Ils sont en train de sortir du pays. Et on m'envoie les images. Parce que j'ai un ami, bon, je ne vais pas dire sa fonction, mais à la frontière, la Mauritanie, ils sont en train de fuir. On ne vous traite pas, vous fuyez. Qu'est-ce que vous avez fait à la frontière avec la Gambie? Vous fuyez. Vous fuyez pour entrer en Guinée. Il y en a qui vont vers le Mali. Il y a quoi? Il y en a qui ont fui pour quitter Dakar, alors qu'ils sont des fonctionnaires. Vous avez fait quoi au peuple? Mais les enquêtes vont le dire. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Sonko a décidé de traquer tous les paradis fiscaux pour ramener l'argent que les hommes de Macky ont volé. Ils n'ont pas détourné, ils ont volé. Ils ont volé systématiquement. Un fonctionnaire qui avait 250 000 francs, on l'appelle au gouvernement, il a 800 milliards de francs CFA. Voilà l'Afrique que vous nous présentez. On dit, faut pas parler, faut te taire. Parce qu'on pense que ça peut arriver quelque part d'autre. Les gens ont peur. Alors, il dit, faut pas parler. Parce que mon oncle est là-bas, c'est lui qui m'a permis d'aller en France ou au Canada, où on pille l'argent du pays pour se construire. Quand tu nous rappelles ça, ça nous fait peur. Sonko et Diomaye. Sonko, Sénégal REC. Toi-même qui me regarde là, tu vois un homme de 44 ans et un autre de 46 ans à la tête du pays, tu n'es pas content. Toi-même, tu n'es pas content si on enlève la partie du tribalisme en toi ou la partie qui fait que tu es bloqué dans ta religion. La religion, c'est comme une équipe de football ou bien une équipe de sport. Plus tu es dedans que tu n'as pas appris à connaître les autres, tu penses que c'est la meilleure religion. Mais quand tu approches l'autre, que tu commences à comprendre, tu ne vas pas prendre la même chose comme ça. Nous, qui avons étudié en profondeur le christianisme, qui avons étudié en profondeur l'islam, qui avons étudié en profondeur le judaïsme, je vais en Israël encore pour comprendre là, le fondement, qui avons que le bouddhisme, la Nikiran Soshu du bouddhisme, qui avons fait le taoïsme, qui avons fait tout ça là. Quand on parle de religion, on n'a pas la même manière de voir. Mais tu es né, tu as 70 ans, tu n'as jamais tendu l'oreille vers la porte de l'eau, celui qui prie. Le musulman n'est pas bon, oh, le chrétien n'est pas bon, celui qui prie le judaïsme n'est pas bon. Idiot que tu es, idiote que tu es. Dieu ne t'a pas donné un esprit qui brille. L'esprit qui brille, là, il y a une curiosité qui t'amène, tu veux tout connaître. Yeah.
toi-même, tu vois la jeunesse de ces gens-là. Tu es jeune, tu dois rêver. Les jeunes constituent 70 à 75% de la population en Côte d'Ivoire. Ça doit t'amener à rêver. Moi, j'ai vu une photo. Sonko et Diomaye et leurs amis, j'ai leur nom, ils étaient 7 dans la chambre de la cité universitaire. Et celui, mon ami Bamba, me dit, ce jour-là, ils n'avaient pas à manger entre eux, donc ils se sont appelés pour voir comment ils vont se cotiser pour faire un petit riz à manger. Nous, on a vécu ça. J'ai fait ça. Je vais mettre ça sur ma page Facebook. Ce président-là qui est là, il y a quelques années seulement, là, ce président-là qui est là, il avait, je crois, 24 ans, avec son ami Sonko. C'est eux qui sont présidents, là, qui sont habillés comme des brigands à la gare routière d'Adjamé, là. C'est ça, je vois, là. Il y en a même, il y a deux même qui n'ont pas porté de chemise. Sur un seul lieu, tous se sont entassés. On a besoin de rêver. La jeunesse a besoin de rêver. On s'en fout, ton frère ministre, et tu ne veux pas qu'on s'en fout. On s'en fout, ton cousin est président de la République, ça ne nous intéresse pas. C'est l'ensemble, c'est la masse qui nous intéresse. On s'en fout si ta soeur est ministre, on s'en fout de ça. On s'en fout si ton frère est président de la République, on s'en fout. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons essayé le président Bédier, quand on veut écrire sur lui, on connaît son bilan. Quand on écrit sur le président Gbagbo, on va dire son bilan. Le président Alassane Ouattara, il a gouverné, on a son bilan. Mais ce qu'on n'a pas encore expérimenté, c'est Tidiam Thiam, on ne connaît même pas son bilan. Et comme c'est un grand expert, on veut le voir à l'œuvre aussi. Il faut qu'on rêve. Parce que moi, j'ai fait un rêve. Je ne vous mens pas, j'ai fait un rêve. J'ai vu Tidiam Thiam, et retenez la partie de la vidéo, j'ai vu Tidiam Thiam dans un boubou blanc. Ils ont mis une couronne de gloire, une couronne de roi sur sa tête. Il avait et son épée là. C'est comme ça faisait la lumière, comme les bangers ou bien quoi là. La lumière en décembre. Sur un cheval blanc, boubou blanc. Et il a tendu le sceptre royal comme ça. Il a tendu comme ça. Il a tendu, pour ceux qui ne voient pas mon bras. Il a tendu le sceptre royal. Et quand je regarde là-bas, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un criait devant, derrière lui comme un griot. On avance. L'espoir est là. Sonko a dit qu'il y aura des bourses à l'université de Dakar. J'ai eu la chance de connaître l'université Dakar Fan, où je me suis inscrit, mais je n'ai pas fini la session. Et puis je suis parti. Je voulais connaître. Il y aura des bourses. La revalorisation salariale. Mais ces mêmes programmes-là que Thiam veut faire. Les paysans, leur cacao sera payé à 5 000 francs. Et le paysan même peut avoir sa voiture pour venir à Abidjan. C'est de ça qu'on parle. Excusez-moi, j'ai eu quelque chose que je perds de vue. Donc, mesdames, messieurs, il ne faut pas se blaguer. La chanson qui fait mal aujourd'hui au Sénégal, ah, c'est pas petit, hein. La chanson qui fait mal au Sénégal, en ce moment, qui est comme chacun a ça dans sa voiture. Nous, on a dépassé 50 ans. On est vieux maintenant. Quand tu dépasses 50 ans, tu n'es plus un enfant, tu es un vieux. On est vieux. Quand tu as dépassé 50 ans, tu es vieux. Blé Goudé est vieux, Soro Guillaume est vieux. Mais quand vous regardez Diomaye, que vous regardez son frère Sonko, même quand tu n'as pas mangé, tu mets ta main, si tu es couché, tu es content. Tu dis, tiens, je t'ai vu en rêve sur le cheval blanc. Ça veut dire que c'est déjà accompli dans le spirituel, c'est déjà bouclé. PDCI 2025. Parce que je vais organiser bientôt avec mes amis qui sont en train de presser, ils sont en train. Parce que ce sera tellement grande émission que tout le monde va en parler avant mon voyage à l'extérieur. Quelles sont les actions sociales du président Alassane Ouattara?
S'il a une fois donné même 10 000 francs à un être humain, les gens vont appeler de partout, vont témoigner. L'heure du bilan a sonné. Parce qu'on connaît le bilan du président Oufou-Boigny. Oufou-Boigny passe dans la rue à Yamoussoukro. Et puis un individu quelconque, qui peut même avoir un aspect dangereux. Monsieur le président, je vais vous parler. Le président s'arrête, ce gars de corps. Vous voulez me parler? Oui, bon, parlez-moi alors. Et ce monsieur qui sortait de la mosquée, parce que le président Oufou-Boigny allait à la mosquée, il ne rentre pas dedans, il attend les croyants pour les saluer. Et le président lui donne une enveloppe. C'est ça un président. C'est ça l'oufouettisme. Quand nous sommes allés dans la chambre du président Oufou-Boigny la nuit, on n'est pas sortis là-bas bréduit. C'est pourquoi on est oufouettiste à mort. Il sait qu'on mange. Mais quand tu es président, puis aucun citoyen ne peut témoigner que ah, président, un jour, ma femme devait accoucher, elle avait des problèmes. Il m'a donné ne serait-ce que 500 000 francs pour me dépanner. C'est de ça que nous allons parler l'émission. On n'est contre personne. Et c'est sous ça, là, on veut se souvenir de ça. Comment le président Oufou-Boigny était? C'est qu'on dit tiam ou rien. Tiam ou rien. Tiam ou rien. On ne peut pas nous enlever ça de la tête. Tiam ou rien. Parce que ses parents qui sont à Yamoussoukro, leur cours, c'est là-bas, chacun va pour avoir de l'espoir. Ils vont lui parler, son frère qui est là, qui est sage, le gouverneur, là. Lui maîtrise la culture. Moussa Bala Keïta, sois salué, homme au grand nom, frère, sois salué. Oufou avait formé autour de lui tous ces hommes qu'il avait formés. Vous ne pouvez pas voir le ministre Bala et être devant le ministre Bala, mon tuteur, et puis dire j'ai faim. Mais il tombait malade. Parce que Oufou leur a dit, si tu veux être avec moi, il faut nourrir ceux qui sont avec vous. Nourrir ceux qui sont avec vous. Fologo était comme ça. Eux tous, ils étaient comme ça. Mais aujourd'hui, les collaborateurs du Prado, si tu veux le surprendre pour mettre ta main dans sa poche, ils ont des petits serpents dans leur poche. Hein. C'est le venin qui va te piquer. Tellement ils sont méchants. Même si tu veux mettre la main dans son sac, ils ont des vipères qu'ils élèvent qui sont dans leur... Tu as pris du venin comme ça. C'est de ça qu'on parle. Aucune générosité. Aucun sens du partage. Je ne sais pas comment le prêtre éduque ses collaborateurs. Ils sont chrétiens. Même chose. Ils sont musulmans. Même chose. Même quand ils sont animistes. Même chose. C'est pourquoi nous voulons rêver. Ce ne sera pas au Sénégal le duo Senghor Mamadou Dia. C'est fini ça. C'est le vrai Dio, Sonko, Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Et tous ceux qui ont approché le président Tidiane Thiam ont dit qu'il a les mêmes idées. Il a parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'il parlait de l'université à le président Tidiane Thiam qui avait les larmes aux yeux. C'est un étudiant qui allait le voir, il lui a donné... Il est tellement généreux, lui a donné 50 000 francs. Et l'étudiant me rapporte, il dit, je ne le connais même pas. On dit qu'il est venu à la direction du parti, il était dans son bureau. J'ai dit, je viens de l'université, je veux le voir. Parce que j'ai une information, il est entré. Il dit, ah président, voilà mon problème, voilà mon problème, voilà mon problème. Vous êtes étudiant en quelle faculté? Et il dit, j'ai dit, il dit, elle a dit, un homme simple. Je lui ai expliqué. Il dit, c'est tout. Il dit, j'avais honte de lui dire que je ne mange pas. Quand j'ai insisté, mais il faut lui dire, est-ce que c'est un vol? Il dit non. Après, quand je lui ai dit, ah, c'est chaud à l'université. Il dit, je sais, vous n'avez pas de bourse, on ne vous transporte pas bien, on ne fait pas tout ça. Il dit, c'est pas normal. Il n'y a plus d'internat dans le pays. Les gens souffrent comme ça, les parents sont dans les villages, ça ne va pas. Il dit, bon, ceux qui sont passés avant toi, ils ont pris l'enveloppe, je te donne l'enveloppe, tout ce qui est dedans, c'est pour toi. Sinon, si tu étais venu avant, le jeune a pris, il dit, il y avait 50 000 francs dedans. Il dit, Allah, je sais ce que tu dis là. Mon vote là, en 2025, c'est étudiant. Et il allait dire à ses amis, parce qu'en cité, vous savez, quand on est en cité, on est un peu inconscient. Hein? Le même jour, 50 000 francs là, ça finit. On a vécu ça aussi. Quand vous venez, aucun n'est méchant en cité. Vous tous vous retrouvez, vous mangez, vous buvez, vous faites tout. Donc, l'argent là, je dis, petit frère, moi, ce que je peux faire, je peux t'envoyer 30 000 francs, pas plus. Mais si tu vis une vie comme ça, comme nous, on a vécu avant, et puis je te parle à regret, ce n'est pas une bonne chose. Sonko, Diomaye Faye. C'est ça l'actualité africaine en ce moment. Ils ont les mêmes idées que Thiam.
Ils ont les mêmes idées que Tidiam Tiam. Tidiam Tiam, les internats vont rouvrir. Toi, tu es à Bemboko, ton enfant va fréquenter à Dalo. Il faut qu'il y ait un internat. Non, mais moi, mais j'ai fait l'internat. On mangeait très bien. Ton enfant va à San Pedro, il faut qu'il y ait l'internat. Les cités universitaires, on doit en construire. Le président Bédi a été très méchant. Il est dans la tombe, il est dans la morgue. Hein. Mais quand on dit, il faut dire la vérité. La cité universitaire de Yopougon, il a pris pour donner aux policiers. On pouvait construire une autre cité pour les policiers. Et les étudiants ont des problèmes. Je salue nos braves policiers qui font un travail colossal. Mais là-dessus, le président Bédi a agi sous la colère. Et cette colère, Dieu n'aime pas. Dieu a alimenté Guy Robert pour le chasser du pouvoir. C'est le président Bédi même qui a fait que le PDCI a perdu le pouvoir. Donc, Tidiam Tiam, c'est lui. Il est jeune, il est partout, il passe partout. Il envoie des gens partout la Côte d'Ivoire. Les autres parties même honte. À Korogo, quand tu vas à Korogo, tu fais tes horaires PDCI. Tu vas à Ouangaloudougou PDCI. Tu vas à Dibo PDCI. Tu arrives à Guitry PDCI. Tu arrives au moment où je vous parle là, tout le bleu Guiglo PDCI. Tu arrives à Grand Bénébi PDCI. Tu arrives à Yamoussoukro PDCI. Partout. Ah! Quel est cet homme qui a une grande étoile qui vient de révaloriser le PDCI comme ça? Il prend le PDCI, il n'y a même pas un an. Partout, on parle du PDCI RDA. Parce qu'on veut rêver. On est contre personne. Le président Alassane Ouattara est fatigué. Il est fatigué. C'est qui il était, puis il l'a fait rêver, là. C'est ça que Tidiam Tiam est. Si Tidiam Tiam fait 10 ans, qu'il ne fait pas rêver, alors il faut quitter. S'il fait de 2025 à 2035, on ne lui laissera même pas le temps de dire un troisième mandat. On n'est pas là pour ça. 5 ans, 5 ans. Si tu as fait 5 ans, tu n'as pas réélu, c'est fini. Hein. Mais si tu veux être réélu, une fois, ça fait 10 ans. Il ne doit pas faire la ruse comme le président Gbagbo qui a fait 10 ans, qui sait que quand tu as fait 10 ans, c'est fini. Il voulait être candidat, il voulait s'éterniser au pouvoir. Donc, c'est Tidiam Tiam. L'émission que nous allons faire, vous allez retenir toutes les émissions qu'ils ont faites sur Facebook ou partout. Vous serez tellement étonné de l'organisation que nous sommes en train de mettre en place. L'émission, vous allez voir deux amis blancs, deux amis noirs, plus ou moins, 5 personnes. On va animer le panel. Vous allez appeler de partout les actions sociales du président Alassane Ouattara. Qui tu as vu qui a témoigné que le président Alassane Ouattara lui a donné 20 000 francs? C'est francs. On va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Les maisons sociales, les logements sociaux. Si le président Alassane Ouattara, les gens vont appeler pour dire qu'ils habitent dedans. Ceux qui ont accédé, ils ont cassé leur maison, vont dire. Le président Gbagbo a fait le pouvoir 10 ans. Rien. Et ses collaborateurs vont appeler pour dire, nous, 1 kilomètre de goudron. J'ai dit 1 kilomètre. Il n'a pas dit 1. Vous avez mis le marque. C'est des monuments sous lesquels on attachait des fétiches indiens qui étaient à Abidjan, à Yopougon. Et ça rendait les jeunes dingues. Ils suivaient aveuglément sans réfléchir. Qui a dirigé le pays pendant longtemps. On fait la passation de charge à la présidence. Il ne fait même pas 2 heures au Sénégal. Les gens vont dire c'est normal. 2 heures dans un pays que tu prétends aimer. Il n'a aimé le pays que quand il l'exploitait pour constituer des paradis fiscaux. Il a fui le pays. 2 heures, c'est-à-dire quand il est sorti du palais, là, il ne va même pas boire de l'eau. Pam, 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 pam. Il allait le monter dans l'avion. Il est parti. Et il y a des gens couloune. C'est une bonne chose, parce qu'il aime. Quand tu aimes, il n'y a pas de reproche. Moi, quand j'aime, je fais des reproches à mon enfant. Je peux t'aimer et te dire, ce que tu fais n'est pas bon. Le jour, Dieu m'a effrayé son ami Sonko, déroute ma même bouche là. Vous allez voir comment je vais les allumer. Moi, c'est comme ça. Il n'y a pas d'arbitraire à moi. PDCI est d'ailleurs avec Tidiam Tiam en 2025. Parce que le remède à la souffrance des Ivoiriens, c'est Tidiam Tiam. Le paracétamol, c'est Tidiam Tiam. Doliprane, c'est Tidiam Tiam. Maladie contre AVC. Par exemple, tu n'as pas mangé depuis matin, puis tes filles ont 12 ans, commencent à se prostituer. Papa là, va mourir d'AVC, maman va mourir d'AVC. Celui qui a le médicament contre l'AVC, c'est Tidiam Tiam. AVC familial.
où les parents sont contraints de dire à leur fille de 12 ans, va faire comme les autres, c'est-à-dire va te prostituer, le médicament c'est Tidiam Tiam. Le fils de la ville, de la paix, de la famille, du bélier, c'est Tidiam Tiam. Est-ce qu'on est insulté quelqu'un? Je n'insulte pas. On va parler à la, on va passer à la partie de, du président Laurent Gbagbo, mais il faut qu'on écoute comment, monsieur. Une lettre ouverte au président Laurent Gbagbo. C'est un papa. On n'insulte pas un papa. Mais ce que tu dis au papa, là, lui-même, quand il est assis et puis on lui montre la vidéo, il voit que c'est vrai. Et que les cabris qui le suivent, là, même s'ils ne veulent pas que ça sorte de ta bouche, ils savent que c'est vrai. Parce que les militants du président Laurent Gbagbo sont des cabris du PPACI. PPACI, abusivement appelé parti des peuples africains. Et c'est un parti des peuples africains pour vous chasser les autres peuples quand vous aviez le pouvoir. On ne va pas tout dire. Et quand on en parlait, vous avez voulu m'exécuter avec Kassaranté et son gros ventre là, qui est mort. Aujourd'hui, il est en enfer. Je vais donner une stratégie gratuite au président Laurent Gbagbo. Parce que où il va là, l'aigreur amène le vieux à penser que Blaise Boudet est son ennemi. Et il se ridiculise chaque jour. Excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo, vous ne serez plus au pouvoir. C'est fini. Les jeunes ne peuvent pas voir Sonko et Diomaye Faye et venir élire un homme de 80 ans. Ça sera la catastrophe dans le pays. Ce que les jeunes ont vu, et puis ils appellent, et puis j'entends là. Ce n'est pas les paysans qui sont à Beauville qui viennent se rassembler là pour vous distraire sur la base ethnique. Parce qu'il y a un cadre qui est avec vous, qui les appelle. Pour qu'on vous dise la vérité. C'est fini. Demandez votre pension de retraite. Vous allez bien vivre. Nadi, la jeune femme, va masser le corps du vieillard que vous êtes. Pour que vous soyez à l'aise. Vous êtes revenu de la haie. C'est vous qui avez brisé le FPI. Parce qu'il aurait suffi simplement d'amadouer Afi Nguessan et de lui donner le poste de vice-président. Premier vice-président, vous êtes le président. Donc, statutairement, vous êtes le plus puissant. À bout de 6 mois, vous remaniez, vous enlevez Afi, vous avez calmé la situation. Ça, c'est la politique que je vous enseigne. Mais vous dites, il a l'enveloppe vide. Vous avez brisé le FPI, votre instrument de combat qui a fait qu'on vous a connu. PPACI, là, ils sont allés aux élections, personne ne vous a suivi. Vous avez brisé votre parti. Il y a une partie de la Bible qui le dit, le royaume s'est divisé en plusieurs parties. Parce que le monsieur ne savait pas commander. Et quand tu ne sais pas commander, Dieu brise le royaume dans ta main. Parce qu'il n'y a rien qui arrive sans la volonté de Dieu. Diomaye Faye, là, qui est issu d'une famille insignifiante en termes de ressources financières, aujourd'hui, il est sur le toit du monde. J'ai vu son papa amaigri qui a témoigné. Il dit que quand l'enfant est né déjà, eux, ils savaient qu'il allait être un grand. Parce que vous savez, ces gens-là, ils se consultent beaucoup. Hein. Donc, vous avez brisé le FPI. Vous avez dit, vous ne voulez pas Afi Nguessan et ses hommes. Un chef ne fait pas comme ça. Un chef, c'est un rassembleur. Un chef, c'est un rassembleur. Un chef, c'est un rassembleur. Vous-même, vous avez brisé votre foyer. C'est pas quelqu'un, hein? En humiliant Simone, en jetant Simone là, vous allez penser que c'est pas quelqu'un, c'est vous-même. Simone, il y a des gens qui la suivent. Parce que vous avez fait ça, ils ont quitté, c'est-à-dire ils ne pensent même plus à ce que vous faites. Vous avez chassé Simone après près de 45 ans de vie commune. On ne va pas vouloir qu'on vous le dise, on fasse des propositions, parce qu'il y en a que vous avez mis dans des choses qui sont comme des chiens, des animaux, au moins personne. Même, tu me donnes 200 millions, j'ai ça en main, puis je dis, ce que tu fais là n'est pas bon. C'est ça l'âme des grands hommes. C'est pas quand les gens vont au Bénin, l'Algérie. Blaise Boudet, vous dites qu'il a préparé pour vous. Mais il ne donnait pas l'argent.
Alors vous saviez que Blaise Goudé, les conditions dans lesquelles il a été déporté à La Haye, Blaise Goudé n'a même pas 5 francs. Mais vous avez caché tous les milliards volés à l'État. Vous avez donné à Nadi, qui est issue d'une famille pauvre. Elle a caché ça, elle est assise quelque part. Et elle venait vous donner l'argent à la fin du mois. Mais ce que vous n'avez pas dit. Ah donc, Nadi avait cet argent, mais elle ne donnait même pas à Blaise Goudé. Et Blaise Goudé, pour avoir mangé, il était obligé de préparer pour vous, pour partager la sauce avec vous. Mais président Gbagbo, vous êtes méchant, hein? Président Gbagbo, vous êtes méchant. Donc Blaise Goudé, là, lui, il croyait que vous étiez son papa, vous étiez avec lui. Nadi ne lui donnait rien. Parce que Blaise Goudé, les conditions dans lesquelles... Lui, il n'a pas caché sa femme à des milliards. Mais vous avez dit à Nadi qu'il n'avait rien que vous avez épousé, là. On n'est pas contre ça, quelqu'un peut avoir la femme qu'il veut. Mais vous vous moquez de Blaise Goudé et l'enfant est devenu votre ennemi. Et c'est ce roi Guillaume qui vous intéresse. Donc vous étiez dans un plan avec ce roi Guillaume, cette rébellion pour tuer nos parents. Ce que vous faites à Blaise Goudé, c'est une injustice. Un papa ne fait pas ça. L'enfant ne parle même pas. Mais un peu seulement Blaise Goudé. Blaise Goudé, il ne donnait pas l'argent. Il donnait pas. Il n'allait donner qu'à l'argent. Monsieur le président, cher papa, vous voyez, quand vous êtes un enfant qui vous respecte, qui ne parle pas, quand vous allez loin comme ça, le jour où Blaise Goudé va réagir, les gens vont applaudir, hein, ils ne vont pas dire qu'il a mal parlé un vieux. Hein, parce que trop, c'est trop. Vous avez brisé le FPI, Afingues est parti. Vous avez brisé votre foyer, Simone est parti. Vous avez chassé Blaise Goudé. Moi, la proposition que je vous fais, en politique, il n'y a pas de honte quand on va dans le bon sens. Il faut convoquer Afi. Vous allez lui parler. Après, vous pouvez même m'appeler Simone, vous allez parler de pas votre ennemi. Et vous affichez l'image. Nadi va vous comprendre. C'est la stratégie politique que je vous enseigne. Parce que vous n'aviez aucune expérience politique quand vous êtes monté à la tête du pays. Vous avez insulté tout le temps le président Foubouani, donc vous n'avez pas eu l'expérience. Comme nous, on était en bas d'eux, on écoutait les stratégies politiques. Après tout ça, quand vous avez appelé Afi Nguessan, vous avez fait chose, vous appelez Blaise Goudé. Et la presse va dire que c'est Blaise Goudé qui a demandé à vous recevoir, même si c'est vous qui l'avez appelé. Et puis, vous faites une photo avec lui. On n'a pas dit de dissoudre vos partis, mais vous créez une alliance. Retrouvailles FPI, PPACI, MGC de Simone Gbagbo, éco-chef de Blaise Goudé. Voilà le médicament que je vous donne en tant que grand stratège politique. Vous allez voir que la configuration politique va changer parce que vous êtes dans le rêve en ce moment. Personne ne va vous voter. Vous avez éclaté votre parti en plusieurs morceaux. Les gens vont vous suivre. Ils vont dire le président Gbagbo, c'est un stratège. Ils vont même aller dire il a pardonné. Il a repris Simone, pas en tant que femme. Il a appelé son fils Blaise Goudé. Il a appelé Afi Nguessan. Oui, c'est vous qui les avez chassés. Pour finir, le petit morceau dédié à Sonko et son frère. Comprenez, monsieur le président Laurent Gbagbo. Il faut que vous fassiez quelque chose. Pour finir, je voudrais saluer le président Alassane Ouattara. Chez nous, en Afrique, on dit ton couteau te blesse. Ton sang sur la lame du couteau. Tu jettes momentanément le couteau, puis après tu tends la main, tu prends ton couteau, tu prends la machette, et puis tu continues de travailler où tu vas au village. Je voudrais saluer sur cette vidéo Simplice Lat Rock, mon petit frère. Je voudrais le saluer chaleureusement. C'est une partie de moi-même, je le salue. Soro Guillaume, là. Nous qui sommes croyants, il est écrit dans la Bible. Et c'est ce que j'ai dit à Soro Guillaume en l'an 2020. Il est écrit qu'il y a un enfant qui s'appelait l'enfant prodigue, qui s'est comporté comme le Satan, le mal, le destructeur de la famille, qui a humilié son père, il est allé
faire une vie relâchée dans un autre monde. Mais il a bien fallu qu'il s'arrête, qu'il comprenne que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Et il est revenu à son père. Il est revenu à son père. Et son père lui a pardonné. Quand tu reviens à ton père te pardonne. Il faut que Soro Guillaume, il revienne à la raison. Bonne soirée à vous. Merci au président Vincent d'avoir accepté ce Guillaume. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Ce matin, quand je l'ai dit, il y a un idiot qui vit au Canada ici. Je ne sais pas quel travail il fait ici. Ceux qui n'ont pas appris à réfléchir. Si le président Vincent Ouattara appelle ce moi je quitte Ouattara. Et alors? Il y a des idiots comme ça. Et on veut qu'on réfléchisse comme ça. Je voudrais saluer cette belle femme, Marie-Paul Touri. Je la salue chaleureusement de sa position. On est ensemble.